une vitrine pour l'opéra. L'événement comprend une douzaine de représentations de petits théâtres basés sur des opéras traditionnels comme l'opéra de Pékin, l'opéra Kunshu, l'opéra Yuezhou. Cependant, il y a une différence. Contrairement aux opéras traditionnels chinois, ces performances innovantes prennent une nouvelle approche pour raconter les histoires. Parmi eux, l'opéra Pingzhu Ran se penche sur la question de la conscience de soi chez les femmes en racontant l'histoire de deux mariages tragiques. Et adapté du roman du même titre de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, l'opéra Yuezhou, Lettre d'une inconnue, explore le développement d'une femme. Le format différent est bien passé auprès du public. Ces spectacles d'opéra expérimentaux utilisent des façons de raconter différentes des spectacles d'opéra traditionnels. C'est plus attrayant pour moi. L'exposition est co-organisée par l'Association théâtrale de Chine et le Centre des opéras chinois de Shanghai. Depuis 2015, elle fonctionne comme une plateforme pour les artistes qui montent.